conférencière, coach PNL, auteur et entrepreneur, mais surtout femme de cœur qui se passionne pour l'être humain. Depuis déjà plus de 20 ans, je me spécialise en résolution de problèmes. À la base, en 1989, en gynécologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, j'ai étudié les principes de base en résolution de problèmes. Ce que j'ai appris à ce moment-là, c'est que si j'appliquais dans ma vie personnelle au quotidien ces principes de résolution de problèmes, que j'aurais jamais vraiment de problème. Moi, j'ai acheté ça, cette croyance-là. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai toujours eu plus de solutions que de problèmes. Donc, j'ai jamais vraiment eu de problème parce qu'il y a toujours une solution. Je me suis donné, à partir de ce moment-là, comme mission de vie d'accompagner les gens vers l'atteinte de leur plein potentiel, autant personnel que professionnel. De là a été créé mon concept « Être la solution ». Albert Einstein nous dit « Un problème sans solution, c'est un problème mal posé. » Donc, je vous invite, la prochaine fois que vous ne trouvez pas de solution, à vous poser la question autrement, à la reformuler, parce qu'il y a toujours une solution. Et je vous invite aussi à vous demander, c'est vraiment important pour vous de trouver ou pas une solution à ce problème-là. Des fois, on préfère ne pas savoir, donc on ne veut pas vraiment les trouver, les solutions. Des fois, ça arrive. On a aussi Woody Allen qui s'est posé des questions sur la résolution de problèmes. Pour Woody Allen, chacun doit trouver sa solution. C'est aussi un principe en PNL, un principe de base, que toutes les ressources sont dans la personne. Donc, si on parle de ce principe-là, quelqu'un qui voudrait avoir plus de confiance en lui a déjà à l'intérieur de lui toute la confiance dont il a besoin. Des fois, tout ce qu'il faut, c'est des outils, une petite technique pour le faire ressortir. Quelqu'un qui voudrait augmenter son chiffre d'affaires. Vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce que vous avez à faire pour atteindre les chiffres que vous voulez avoir. Je vous invite à ce moment-là à vous poser des questions sur vos valeurs, sur les croyances que vous avez par rapport à l'argent. Parce que des fois, quand on a des croyances et des valeurs qui contredisent nos objectifs, c'est pour ça que ça ne va pas de l'avant. Donc, si vous avez différentes croyances qui vous limitent, c'est peut-être la solution à votre questionnement. Mais vous avez toutes les réponses, toutes les solutions partent de vous. Oslo nous dit, si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous allez atteindre encore et toujours les mêmes résultats. Donc, changez la formule, c'est simple. Vous voulez avoir plus d'énergie. Vous avez déjà à l'intérieur de vous toute l'énergie dont vous avez besoin et qui demande juste à sortir. Faites ce que vous aimez le plus souvent possible, le plus longtemps possible. Et ça, ça va générer une belle énergie à l'intérieur de vous qui va vous entraîner tout au long de la journée. Vous voulez perdre du poids. Vous voulez arrêter de fumer. Vous êtes la solution. Il n'y a personne d'autre que vous qui peut prendre ces décisions-là à votre place. Vous êtes la solution, toujours, tout le temps, partout, en tout temps. Je vous raconte une petite histoire. Il y a plusieurs années, j'avais envie de voyager plus. Mon salaire à ce moment-là ne me le permettait pas vraiment. J'aurais pu m'apitoyer et me dire, « Ah, mon Dieu, que je ne suis donc pas chanceuse, je n'ai pas les moyens de voyager autant que je voudrais. » Ben non! Il y a toujours une solution. Donc, je me suis demandé, qu'est-ce que je pourrais faire en ce moment dans ma vie qui me permettrait de voyager plus? C'est simple. Je suis allée suivre une formation comme agent externe. Donc, maintenant, je suis conseillère voyage. Et ça me permet d'avoir un revenu d'appoint. Ça me permet de voyager à moindre coût. Et en plus, j'aide les gens à réaliser leur voyage de rêve. C'est merveilleux! Des exemples comme ça, vous en avez tout plein dans votre vie, dans les vies des gens autour. Pourquoi il y a des gens qui réussissent? Bien, ils posent les bonnes questions et ils passent à l'action. Il n'y en a pas de secret. C'est comme ça. Vous êtes la solution.
Et vous avez vraiment toutes les ressources à l'intérieur de vous, tout le temps dans votre vie, pour y parvenir. Grâce à de nombreuses lectures, de nombreuses recherches, mes études que j'ai faites, bien sûr, et les différentes techniques que j'ai apprises qui ont des résultats époustouflants, ce que j'ai envie de vous offrir aujourd'hui, c'est de vous coacher vers l'atteinte de vos objectifs les plus fous. Si vous êtes motivé, si vous êtes déterminé, si vous êtes prêt à passer à l'action, que ce soit pour un changement de carrière, pour démarrage d'entreprise, pour augmenter votre chiffre d'affaires, pour apprendre à communiquer en public, pour avoir une meilleure communication au sein de votre couple, de votre famille, pour atteindre des niveaux sportifs supérieurs, peu importe votre objectif, il y a une technique pour vous et vous avez déjà toutes les ressources à l'intérieur de vous. Vous avez juste besoin peut-être d'un petit outil pour vous aider à vous propulser. Je suis le coach qu'il vous faut. J'ai très, très hâte de vous rencontrer. Contactez-moi, ça va me faire un énorme plaisir. Et en attendant, répétez avec moi, vous êtes la solution.